Les paradis fiscaux, picoutala, picoutala. Le pétrole offshore, picoutala, picoutala. Viens, ça brûle. Ceci est une action violente. Action en violence. Ceci est une action violente. Irresponsable. Irresponsable. Les pétroliers reculent face à la détermination des citoyens. On n'est pas d'accord qu'il y ait ces grosses subventions, 650 milliards par an, qui sont données aux pétroliers de notre poche. C'est pas normal. Ça doit aller dans nos services publics et ça doit aller dans la recherche vers des nouvelles énergies renouvelables qui préservent la planète et la vie civilisée sur Terre. Voilà. Je vous fais cadeau. Merci. Everything is blocked. Okay, so you can go. Et ben en fait, on s'est accroché à cette voiture pour l'empêcher d'accéder au palais Beaumont. Donc voilà, ça fait quelque temps qu'on est là et qu'on est décidé à rester. On essaye d'entraver la tenue du sommet MCE Deep Water Development, qui essaye de promouvoir encore plus d'exploration offshore pour des nappes de pétrole de plus en plus profondes. Moi, je comprends pas ce genre de congrès. Parce que quelque part, ils sont hors la loi. Puisqu'il y a eu la COP21, des accords ont été pris. Alors non seulement ils peuvent faire leur congrès, mais en plus, c'est notre police, payée par les impôts de tous les citoyens, qui est en train de les protéger alors qu'ils ont des milliards. C'est incroyable. Que là on est en train d'être de plus en plus nombreux à être prêts à s'engager, y compris à mettre nos corps sur les lignes pour dire non, on peut pas dépasser ces limites là et il faut qu'on soit de plus en plus nombreux. Là on était 600, il faut qu'on soit 5000 l'année prochaine, c'est obligé en fait, on n'a pas le choix. Et ça passe par quoi? Ça passe par convaincre, ça passe par faire envie, donner l'envie de s'engager. Et moi, l'outil que je connais et que je maîtrise et qui me fait plaisir, c'est la vidéo. Le pétrole est la marchandise la plus profitable au commerce international et la première source de revenus. C'est pourquoi il nous faut augmenter la production afin de rétablir la croissance. La croissance sur laquelle repose l'économie. Seul système viable de nos jours pour la croissance, sinon tu meurs. Ici, pour dénoncer ce crime climatique qui se prépare à l'intérieur du palais. Le 21 avril, à Paris, pendant le sommet international du pétrole, nous serons là aussi. Et nous ne serons plus couchés, nous serons debout et déterminés pour la justice climatique. Et c'est un sommet qui laissera des traces, pour reprendre un titre qui est dans la presse locale aujourd'hui, qui laissera des traces pour, je pense, la population locale ici à Pau qui est interpellée par nos mobilisations, mais également par les acteurs économiques qui sont présents à l'intérieur. C'est une grande réussite pour nous, parce que toute une série de militants qui étaient présents ici, pour lesquels c'était la première, la deuxième, la troisième action de désobéissance civile peut-être seulement, ben ils vont repartir de là galvanisés, avec la certitude de leur force et de leur capacité à peser, et de pouvoir se montrer qu'à travers des actions de désobéissance civile, on peut intervenir de manière extrêmement forte dans le débat public. En 39-45, on était ravis qu'il y ait des Français qui aillent prendre le maquis. C'est quelque part, c'est ce qu'on fait. On prend le maquis.
on essaye d'attenter à notre vie, et ben on résiste, voilà. Comme dit le pote, tout seul on va plus vite, mais à tous on va plus loin, quoi. Mais c'était magique de faire le congrès, enfin de bloquer le congrès comme ça pendant 3 jours, d'avoir autant de possibilités d'action, à si nombreux, qu'autant de gens soient motivés. Plus chaud que le climat, on est plus chaud.